tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo, nouveau vlog. Donc là je vais aller dans un magasin que j'ai découvert via Capital. Ça s'appelle Costo ou Costco, je sais pas. Et en gros c'est un immense magasin, un entrepôt on va dire, où il y a plein de choses en gros en fait. C'est comme aux États-Unis, genre si tu achètes la lessive c'est par 25 packs. Enfin que des choses comme ça, j'ai envie de découvrir ce que c'était vraiment, les prix etc, c'était vraiment avantageux. Là je vous emmène avec moi pour découvrir ce magasin. J'espère que ça sera pas mal, mais ma soeur m'a dit que c'était vraiment génial. Allez c'est parti, ma soeur est en bas. Costco, Costco, Costco. Ah ils ont fait un mur végétalisé, c'est acheté à Truffaut j'espère. Hein. Ah ouais c'est immense le truc, c'est plus grand que Carrefour. Ils ont mis des gilets jaunes, je suis morte, pour les Barbies. Oh, c'est immense. C'est immense. Ah, elle est belle hein. Ils sont trop beaux. Ah la vache. Après peut-être la compo elle est pas bonne mais elle est belle. Hein. Ouais, c'est naturel. Ouais. Enfin végétal fait à la main. Ah ouais. Ah ouais d'accord. 19 euros. Ah d'accord. Donc les prix sont toujours au-dessus. Ça c'est génial. Moi je prends le chien, toi tu prends l'autre. Regarde, ils sont roses. Ah c'est mon rêve Mimi, je veux ça. Ouais. Bah... Je veux ça. Il est trop beau. Ah et de base il coûte 340 euros. Hein. Hein de base il coûte 340 euros. Ah ça vaut le coup. Ah c'est bien ça. Nombre de fois je passe l'aspi à la maison. Oh là là. Mais c'est immense. Oh, il y a les fringues là-bas. Ah ouais. Oh, c'est tout doux. Ah ouais. Oh. Oh my god. Ah oh, ouais, à l'intérieur. Oh, à l'intérieur. Ah ouais, mais c'est immense, hein. Ouais. Oh la vache. Oh là là. Ne jamais passer par ce rayon. Mais c'est vrai quand tu fais des soirées c'est pas mal ça. Ouais. Pour Halloween et tout, ça va être pas mal. Oh. Ah t'as même l'une là. Ah oh, la Hollywood chewing gum. Ah ouais c'est des paquets de. Ah ouais. Oh, pâte de fruits. Ouais, ça je prends. 1 kg sans sucre, ils disent. Waouh. Ah, mémé. Mémé. Oh my god. Ah ouais. Il y en a partout. Il y en a partout, mémé. Ouais. Oh, il y a des petites plantes. Il y a des petites plantes. Oh, le bordel. Oh, le bordel. Oh, le bordel. Oh là là, l'orchidée de la... Oh my god. Elle coûte combien, l'orchidée? Elle ne coûte pas cher. Ah oh, c'est bibiche. C'est une bibiche Mimi. Oh, oh non je le prends. Oh non. Mais t'aimes bien avoir mon petit Pachira? Bah oui il va me manquer. Il va te manquer. Oh, ah mais là. Oh, mais c'est une vraie en plus hein. Putain elle est immense. En fait tu la mets par terre quoi. 16 euros. T'as un Truffaut, tu t'achètes ça, c'est moins 120. Elle est magnifique. Elle est archi belle. Ouais, on est passé juste devant en plus, Mimi. Hein. Il y a un village de Noël. Oh non, mémé. Oh, c'est super beau. C'est trop beau. Il y a des packs de papeterie. Donc pour les enfants qui rentrent à l'école, ça. Oh, c'est mignon, ça aussi. Oh, les rouleaux de scotch. Ouais, j'en ai pas mal là. Un petit cahier. Ça vaut le coup quand même. Ah ouais, 12 euros tout ça, Mimi. Mais regarde, le mieux c'est celui-là. Ah, je les aime pas, celui-là, moi. Ah ouais, tu les aimes pas ? Ouais. Ah ouais, quand même pas mal. Si tu veux boire un verre avec moi, Mimi, hein. Okay. On va pas être saoulés avec ça. Ensuite, oh, il y a des belles choses encore là-bas. Ah, des chaises de bureau, ça c'est intéressant ça. Il m'en faudrait trop une de chaise de bureau. Ouais, il aimerait trop sa bichette. Après, je sais pas combien ça coûte. 45. Oh, il kifferait trop. Il kifferait trop. Donc là, il y a le petit pack de 100 à 23 euros. Archi pas cher. Oh, on aurait dit Kina. Petite Kina. Et vous avez aussi les calendriers de l'avant. Et là, vous avez plein de croquettes, des plats pâtés, des arbres à chat. Tout. Ah, il y a Vivacraft. C'est pas de la merde ça non plus. Hein. Oh, Whiskas. Oh la vache.
Ah ouais, c'est le paradis du chat là. Et du chien. Oh la vache. Ah ouais, Birdie prend ça. Mais c'est trop gros ça pour elle. C'est pas celui-là. Ah ben c'est celle-là qu'on voulait. Putain, elle coûte pas cher ça, maman. C'est celle-là qu'on voulait prendre avec. Et en gros, elle coûtait à 60 euros. Et à l'intérieur, t'as la petite pelle. Ah, ils ont pas mis la pelle. Il n'y a pas la pelle et pas le filtre. Mais peut-être qu'ils l'ont enlevé pour pas que je l'enlève. Ah ouais. Ah, tu vois, voilà. Là, t'as la pelle. Oh, l'arnaque. 29 euros. Mais c'est ce qui gêne la maison. Oh non. Il y a un petit panier pour Piccolo. Un doudou. Un doudou pour Piccolo. 18 euros le doudou, hein. Mais Piccolo, c'est mignon. Ah ouais. Ah, c'est pas mal ça. Pour voyager. Là, le gros paquet, les 6 packs de gourmets, ça coûtait 29,29 €. Donc ça fait pour 1 kg 4,79 €. Et donc le sachet 41 centimes. Oh là 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 là. Les immenses gâteaux. Oh, ah, y a Happy Birthday, Mimi. C'est trop beau. Ils sont pas chers, hein. Putain. Oh, on croirait trop aux USA là. Ah oui. Il y a beaucoup de viande. Ouais, après. Ah, il y a des packs de bière et tout. Ah, pour les bières, t'es servi. Hein. Oh, ah ouais, c'est même pas un petit pack, hein. C'est genre... Oh, bon, en soirée, c'est pratique, quoi. Ah, les tomates cerises, ça. Ah, c'est pas cher, hein. Ah ouais. Ah ouais, là, t'es au rayon de l'eau, quoi. Tu veux de l'eau? Bah, t'as toutes les marques. Et en tous les packs. Ça vaut pas cher, c'est des packs de 40. Oh, putain. Ah ouais, t'as du Perrier. Oh là là. Ah ouais, le PQ, mais ça me fait penser au truc des toilettes publiques là. Ah oui, c'est là, oui. C'est ça qu'ils prennent. Oh, les Kleenex. Émile, si t'es en situation de rupture amoureuse, j'ai tout ce qu'il faut pour toi. 40 rouleaux de PQ, 15 euros. Ouais. Ah, t'as la lessive aussi. Ah oui. Oh là là. Regarde, Mimi, celui-là. Vanish, oxyaction, 2,4 kg, 15 euros. C'est cher ou pas? Non, moi je prends celui-là et. Oh, ouais. Je vais regarder pour l'Ariel. Trois fois 35 doses. Moi, Action, je le paye 6 euros. Là, c'est pareil. Donc ça revient même. Ouais. Action, c'est 6 euros. 6 ou 7 euros. Ah, les cups, Mimi. Ouais. Pour les beer pong. Ouais. Les châtaignes. Ah, c'est bon, ça. Oui. Ça coûte combien? Ah, c'est pas cher. 5,49. Petit retour du potager. À 8,99 € 6 kilos. Pour faire des soupes. Ça, c'est pas mal, ça. Mais sinon, le vrai, ça vaut pas super, super le coup, quoi. Ouais, ça coûte un peu cher, les fruits et légumes. Hein. Ah, ils ont pas mal de choses. Ah ouais? 9 euros. 9 euros? Normalement, c'est quasiment 1 euro la pièce. Il y en a combien? 12. J'avoue, petit marron. Ah, ils font la gueule, hein. Endive, tomates, maïs. Là, les tomates au-dessus, là-bas. Ah, champignons. Ah ouais, regarde, t'as les champignons là. Ah, c'est à farcir. Comment ça coûte ça? C'est kiwi. C'est des kiwis? C'est des mini kiwis. Oh, c'est trop chou. C'est bien, ils font du bio quand même. Hein. Bah, il est cher le bio, mais. Noix de coco, bio. Ah, c'est chou ça. Oh, il est cher, noix de coco bio. Voilà. En fait, faut en vouloir pour l'avoir. Ouais. C'est moi la taille du beurre. Un kilo. Y'a quoi? Y'a un Timel, ça vaut. Ah, Timel. Oh, les yop, 6 fois. Oh, c'est pas mal ça. 5 euros. Ah, oh, t'as les smoothies. Ouais, mais ils font 10 euros. Ah oui. Ah, c'est ce que tu prends, non? Ouais. Les crèmes brûlées, ça vaut le coup, mais pas les panna cotta. Les panna cotta, c'est trop cher.
Oh, tous les fromages là-bas. Oh là là. La bouffe à l'intérieur, c'est ça? Ah ouais, 20 euros. C'est un panetton, pâte de fruits, chocolat, praline. Oh, c'est trop beau ça. Ça, Mimi, je vais t'en prendre 10. Je rigole même pas. Il y en a 4, 5,49 euros. 950 ml, ça fait quasiment un litre, on est d'accord? Ouais. Un litre. 1,44€ le litre. Moi, je crois que c'est 2 euros et quelque chose. Je vais vérifier sur internet. Là, c'est le rayon, il faut pas y aller. Ah, il y a les mochis. Mais c'est ce qu'il adore, les mochis. Il adore ça. Et ça coûte super cher en plus. C'est congèle. Ah, j'ai pas de congèle. On va peut-être à la fin, si j'y pense. Il adore ça. Des frites et tout. Les gâteaux. Oh là là. Oh là 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 là. Les cookies. Oh, les Häagen-Dazs. 11 euros les 12. Pas cher. Oh, les Ben & Jerry. 8,39 euros les 3 pots de 500 ml. C'est pas cher. Elisa ne regarde pas. Kinder Ice Cream, oui bien sûr Elisa. Oh là là, c'est pas cher. Ah, oh, les fruits congelés, Mimi, pour faire les smoothies. Oh, c'est trop bien. Putain, pourquoi on habite si loin, Mimi? Fraises, ananas, les berries. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ça vaut le coup, regarde même les myrtilles là. Tout ça là, les fraises et tout là, ananas. Et là tu te dis putain, j'ai pas pris un bac glaciaire. Ah ouais. Oh, c'est du thé, c'est du vrai thé ça. Thé japonais. Ouais. Du matcha. Ouais. Oh là là. Oh le coca. Ah il m'en fallait d'ailleurs. Les 30 Mimi. 11 euros. Les 30 putain, les 30. Oh, on prend un pack hein. Ouais. 112 gourdes, 29 euros. Ramène ça chez toi, tu vas voir. Où est-ce que tu vas mettre ça? Bah, c'est bon, ça, j'aménage mon garage. Bah, ouais, franchement, c'est pas mal, hein. Oh, les chocolats au-dessus, oh là là, faut que j'arrête de regarder au-dessus. Ah, du jus de concombre, enfin de l'eau de concombre. Ouais. Volvic concombre. Concombre basilic. Bio. Ils font beaucoup de bio, c'est bien. Infusion bio. Oh, hibiscus, putain, ça coûte super cher à Truffaut. Mais quand je te dis super cher, c'est genre 4 euros la petite bouteille de 32, de même pas 30 centilitres. Ah, dommage, on peut pas prendre à l'unité. J'aurais bien voulu goûter. Là, on prend ça, Mimi, 160 euros. Allez, pour chez toi, ça rentre. Mais non, c'est nul. Les plaids, d'une douceur incontestable. Oh, il est trop beau celui-là. J'aime bien les quadrillés, moi. 17 euros. J'aime bien ça, moi. C'est pas cher, hein, 40 euros pour ça. Quand je vois les Le Max. Ah ouais? Ouais. Le Max, ce petit truc, c'est 100 euros. J'ai trouvé mon village de Noël. Il coûte 120 euros. Mais en soi, franchement, ça va parce que Le Max, hein, je te jure, ça coûte tellement cher. Ah ouais. Genre, juste une église, ça coûte 150, tu vois. C'est magnifique. Tout ça pour 120 euros. Sinon, il y a les poupées, Mimi. Hein. Ah oui, la Reine des Neiges, non? C'est pas ça qu'elle aime. Ça là, Elsa. Ouais. Truc à. C'est 20 euros là. Elsa et. Comment s'appelle l'autre là? Anna. Ah, il y a Olaf même. Olaf et. Et Elsa. Bon, Mimi, si tu veux des couches, hein. Ah, t'es servi. Je sais pas combien ça coûte les couches de base. Ah, c'est 24. Taille 5, 108 couches. Ah, elles sont bien. Et là, tu vois, pour moi, ça c'est fini ça. Putain, mais par contre, ça c'est pas cher ça. 8 euros les 4 x 18. Ça va hein? Ouais, ça va. Et moi, j'ai maintenant mes culottes. Ah, mais ça c'est trop kiki par contre. Non, mais c'est trop mignon. 12 euros. Ah, ça aussi pour les hommes, c'est bien. Ouais, c'est super bien. Les pansements, la trousse à pharmacie. Oh, ça c'est une bichette ça. Bon, bon, bon. Alors, je viens de rentrer de Costco, donc une très belle découverte, une belle surprise. Franchement, le casse-noisette géant, il était juste magnifique, vraiment. Si j'avais une maison, j'étais riche, je me serais pris vraiment. Il est très, 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 très beau. Vraiment, j'ai trop craqué. Vraiment trop beau. Bref, donc je suis allée à Costco. En fait, quand tu vas à la caisse, tu vois que t'en as vraiment pour cher. Mais au final, c'est des grosses quantités. Je vais voir si ça dure dans le temps. Mais j'ai pris pas mal de petites choses et ma soeur aussi a pris des choses. En tout, on en a eu pour 176 euros. Ma soeur, elle a pris des jouets, etc. Donc elle en a eu pour environ 45 euros. Mon père, je lui ai pris les 100 tapis de sol, ceux que je vous ai montré pour les chiens, là, à 23 euros. Pour comme ça, avec son nouveau petit chien, bah... Il aura ça et c'est pas cher, vraiment c'était pas cher. Mais après je sais pas la taille, la dimension, l'épaisseur, enfin je sais pas du tout à voir. Là je vais vous montrer ce que j'ai acheté, donc j'en ai eu pour 108 euros. J'ai acheté des cadeaux de Noël aussi pour mon beau-père.
Donc ça je vais pas vous le montrer parce qu'il regarde mes vidéos. Donc je vais pas vous montrer ça, mais c'était un petit cadeau de Noël très mignon. Donc je vais le cacher pour la vidéo. Alors tout d'abord j'ai pris ça, donc c'est des canettes de coca, il y en a 30, ça m'a coûté 11 euros. Faut savoir que environ à Carrefour c'est 6 euros les 6 ou les 5 ou les 8, un truc comme ça. Je trouve que c'est beaucoup plus rentable d'acheter par 30. Il faisait aussi par 24, mais c'était le même prix quasiment. 30, après c'est dans une boîte comme ça, donc ça prend pas trop de place, je trouve, par rapport au grand truc hyper long, avec un petit Père Noël, c'est archi mignon. Donc voilà, j'en ai pris 30. J'ai pris ensuite des pâtes de fruits, ça j'adore, j'adore. À Bonne Maman, il y en a combien à l'intérieur? Il y en a... Ça m'a coûté genre dans les 8 euros. Je sais pas combien ça coûte en vrai, mais je sais pas combien il y en a non plus. Mais en gros, il y a 400 grammes. Franchement, les gars, c'est mon plaisir de Noël. Et ça aussi, en fait, c'est mon petit plaisir de Noël. Donc, c'est des châtaignes cuites. J'adore ça, vraiment. J'adore. Ça m'a coûté 5 euros. C'est super cher de base des châtaignes. Et là, j'en ai pris vraiment par plaisir parce que j'en trouve jamais des cuites dans ce format-là. J'ai pris ensuite, ça, c'est vraiment un regret de ne pas l'avoir pris. C'est un calendrier de l'Avent Bonne Maman. Donc, je sais pas quand est-ce que je vous posterai ce vlog. Peut-être pendant les vlogs masse pour au cas où si je peux pas filmer une journée, mais en gros voilà, j'ai pris ce calendrier de l'Avent Bonne Maman à Costco. De base il coûte 30 euros, je l'ai eu à 20 euros. C'est extrêmement avantageux parce que la dernière fois je l'avais vu à Carrefour, je me dis putain j'ai envie de l'avoir et tout, j'aime beaucoup, mais 30 euros pour des confitures, ça me casse les couilles d'acheter quoi, pour des petites comme ça. Vraiment les gars, j'ai trop regretté. C'est vraiment un des calendriers que je voulais le plus. Vraiment, hein. Et là je suis trop contente de l'avoir eu à 20 euros seulement. Surtout qu'il y a 25 cases ou 24. Ah, il y en a 24. Voilà, plein de confitures de différents goûts, etc. Et il y a une petite surprise à l'intérieur aussi. Il n'y a pas que des confitures normalement. Donc en fait là ils mettent pas la surprise. Parce que c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 fois 4, 24. Il manque la petite surprise ici, donc ils le montrent pas, c'est ça que j'aime bien. J'ai trop hâte de voir ce que c'est la surprise. Mais je suis trop contente en fait de ce calendrier de l'Avent. Je suis trop contente. Ensuite, j'ai acheté du lait. Alors ce qui est bien en Costco, c'est qu'ils font pas mal de choses bio et à un prix abordable. Donc j'ai pris le lait bio. Je sais pas de quelle marque c'est, je pense que c'est de la marque de chez eux. Donc c'était 5 euros les 6. Donc ça fait vraiment pas cher le litre, hein, le lait bio. Vraiment ça coûte cher de base. Et là c'était moins d'un euro le litre, donc ça vaut vachement le coup. Ah ensuite, oui, j'ai pris ça. Alors ça c'est ce qui m'a coûté le plus cher. Je pense que c'était 16 euros. J'ai repris ça pour ma caméra parce que voilà, j'en ai besoin. J'espère que ça va rentrer dans mon adaptateur. Mais voilà, j'ai pris un 64 Go pour mes vidéos. Il m'en fallait et heureusement que j'y ai pensé, que j'ai vu ça. Bah, les deux packs de Tropicana, donc c'était 5 euros et quelques le pack de 4. Donc c'était 1,44 euro le litre, sachant que de base... Je sais pas en fait si c'est bien rentable, mais j'ai vu sur Carrefour que c'était 2 euros le litre normalement. J'ai vu ça sur mon téléphone, donc je l'ai pris. Donc ça me fait 2, 4, 6, 8 pour même pas 10 euros. Ouais, c'est ouais, parce que la dernière fois j'avais pris 3 bouteilles de 2 litres, j'en avais eu pour 10 euros. Ouais, c'est hyper rentable d'acheter là-bas. Donc pour tous les Tropicana... Mais aller directement à Costco. Après, c'est vrai qu'il y en a un seul en France, je crois. Mais pour la région parisienne, ça vaut vachement le coup. Ensuite, j'ai pris ça. Donc, c'est des 12 petites gourdes de 33 ml de eau de coco. Donc, c'est celle-ci, c'est la marque en fait de Costco. C'est Kirkland. Je sais pas si vous arrivez bien à voir. Et en gros, j'ai goûté. D'abord, je suis pas très fan. Et bah, c'était super bon. Vraiment pas trop sucré. On sentait bien le goût de la coco. Très très bon et c'est bio. J'adore. Et mon copain aussi. Donc comme ça, quand je vais à la fac, et ben, je peux prendre ma petite gourde d'eau de coco. C'est très pratique. Donc, je suis trop contente. Pour finir, j'ai pris des cookies. Donc c'est 7 euros tous ces cookies-là. Et ils sont super bons. On me dit ma soeur et mon copain. Ils adorent. Donc bah, je suis trop contente d'en avoir acheté. Parce que ce qui paraît, ils sont très bons. Et c'est un peu les mêmes que ceux de chez Starbucks. Alors, pour résumer un peu Costco, moi je dirais que c'est un très bon magasin pour les familles nombreuses. Ceux qui ont un budget... Pas énorme non plus, mais pour les grandes familles c'est très avantageux, je vous conseille vraiment. Après c'est payant les entrées, franchement je trouve ça un peu bizarre de payer une entrée. Genre c'est trop... En gros c'est de la marge qu'ils font directement. Ils font de la marge. Ils font pas énormément de marge sur ce qu'ils achètent. Ouais c'est vrai. Ce qu'ils revendent. Donc du coup le fait de payer un abonnement, c'est une marge qui touche directement eux, tu vois. Ouais c'est vrai. Donc ça leur fait un revenu supplémentaire qui toi te revient à pas grand chose. Puisque... Faut y aller souvent, faut pas y aller une fois par an. En gros c'est 36 euros à l'année. La personne qui a la carte Costco peut amener deux personnes grand max. Donc après je sais pas si ça s'applique pour les enfants. En gros c'est un immense entrepôt. On a mis au moins 2 heures à faire tout le tour, hein. Tous les rayons. Hein. Donc c'est un immense entrepôt, tu peux trouver de tout, vraiment de tout, tout ce que tu veux. De l'automobile jusqu'au vernis à ongles, vraiment tu peux trouver de tout.
Donc ça c'est vraiment pas mal, les cornflakes et tout, il y a des mêmes cornflakes qu'aux USA, c'est archi drôle. Et c'est que des grosses quantités. Si admettons t'es pas une famille nombreuse, t'es comme moi, t'es toute seule avec ton chéri, je sais pas si ça sera rentable, à part pour les jus d'orange. Si t'as un, je sais pas, si vous avez un garage, vous l'aménagez et vous pouvez faire vos provisions. Là, ça serait rentable. Mais si voilà, vous êtes tout seul, vous n'avez pas de garage, etc., c'est pas rentable, je vous conseille pas d'y aller. Mais c'est très rentable au niveau des boissons, c'est très très bien. Après les goodies et tout, c'est aussi rentable, mais les fruits et légumes, je vous conseille absolument pas, c'est super cher. Ouais, si t'as une soirée, ouais, c'est ce que je disais à ma soeur, si t'as une soirée, c'est un gros festin à faire ou je ne sais quoi, les paquets de chips, les paquets de l'apéro, tous les trucs apéro et tout, c'est par 100. Donc t'en as plein pour... t'as un mariage, tu achètes là-bas, tu vois. Genre, ils font même des traiteurs là-bas, ils ont des gâteaux d'anniversaire gigantesques, mais gigantesques. Pour... Ouais, mon copain, il adore les cookies. Genre, j'ai même pas goûté. Donne-moi un cookie, celui à droite. Tu vois, celui de Starbucks. Ouais, il me fait penser au granola. Mais, hé, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Je te jure, c'est ce que j'ai dit. Ils sont tout mous comme ceux de Starbucks, c'est trop bien. C'est exactement ce que j'ai dit. On est trop sur la montagne de mon cœur. En vrai, je sais pas, si t'as déjà été à métro, toi. C'est délicieux. Ah ouais, ils sont pas trop cuits ici au milieu, j'adore. Oh. Donc voilà pour cette vidéo, je vais aller à Primark tout à l'heure peut-être avec ma soeur. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère en tout cas que ça vous aura plu, que vous avez découvert Costco. J'ai essayé de filmer un maximum parce qu'on peut pas trop filmer là-bas. Dès qu'il y avait quelqu'un qui arrivait, je cachais la caméra. Et pour les vêtements, ils font beaucoup beaucoup de marques, genre Levi's, Adidas, Caporal, etc. Les prix, je ne sais pas du tout si c'est les mêmes. Ils font des bons jeans Levi's à 30€. Donc je sais pas du tout si je connais pas les prix. Pour la carte SD que je viens de voir, c'est le même prix que sur la Fnac. Donc c'est même un petit peu plus cher. Donc c'était pas hyper rentable. En tout cas les châtaignes elles sont délicieuses. J'adore ça. Les bonnes mamans elles sont délicieuses. Le coca est très bon. Les cookies sont très bons. Que des conneries. Voilà, j'adore. Mais au moins ça me fait plaisir. T'as ma bichette. C'est bon? Oui. Donc bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas et à vous abonner à ma chaîne. Juste ici sur ma fête. Je vous mettrai dans cette vidéo ces ficherons juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye.